Les adeptes de la moustache et de la barbe avaient rendez-vous à la salle polyvalente de Wittersdorf à la fin du mois de septembre pour le premier championnat d'Europe de barbe et moustache organisé en France. L'initiative de cette compétition originale, on la doit au célèbre coiffeur sungovien Hervé Diebold, qui a lui-même participé dans la catégorie des plus belles moustaches. Sur Câbleu, retrouvez un diaporama photo des plus belles moustaches en compétition ce jour-là. La guerre contre César, les quatre mousquetaires, la gloire dans les bagarres, et de Valentino, l'idole de nos grands-mères, au Playboy en photo, dans les hebdomadaires. Tous les hommes sont beaux, et qu'elles soient brunes ou blondes, c'est elle qui fait battre le cœur de toutes les filles du monde. Ah, que j'aime la moustache, comme toutes les filles, j'en suis folle. Ça m'électrise. Ah, que j'aime la moustache. Pour les baisers, ça pique, mais c'est si bon. Et ça me donne plein de petits frissons qui me font perdre la raison. Les filles ont des secrets qui les rendent jolies. Moi, j'en ai quelques-uns qui m'ont servi dans la vie. L'empereur du ketchup voudrait m'avoir pour femme. Les seigneurs du hold m'envoient des télégrammes. Mais toi tu m'as souri, c'est une histoire banale. Ta moustache a suffi pour me rendre sentimentale. Ah, que j'aime la moustache, comme toutes les filles j'en suis folle. Ah, 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 ça m'affole, c'est ma hantise, ça m'électrise. Donne plein de petits frissons. Et s'il vous reste un doute, qu'est-ce que cela vous coûte d'aller embrasser un garçon? Ah, quelle reine la moustache, dans toutes les filles on est folle. Ah, 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 ça m'affole, c'est ma hantise, ça m'électrise. Ah, que j'aime la moustache, pour les baisers ça pique, mais c'est bon. Et ça me donne plein de petits frissons. Et s'il vous reste un doute, qu'est-ce que cela vous coûte d'aller embrasser un garçon? De la journée ont été reversés à l'association Domaine Nature, qui œuvre pour favoriser l'intégration des personnes handicapées et multiplier les échanges entre valides et handicapés. Il est toujours possible de faire un don à cette noble cause en se rendant sur le www.domainenature.org.